Les prophéties avaient annoncé dans le mois de septembre une forme d'attaque de l'ennemi qui allait venir comme couper les pieds, casser le zèle, casser la lourdeur. Mais vous savez, en toute situation, aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Dieu nous bénit. C'est pourquoi je relâche sur ta vie, sur tes affaires, la faveur de la bénédiction. Tu vas lever la main. Nous sommes dans le mois de septembre. Le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Dieu a voulu que l'espèce humaine, lorsqu'elle reçoit une semence, elle prenne 9 mois pour relâcher le fruit de la semence. Je déclare dans le nom de Jésus, qu'en ce 9e mois de l'année, les choses que Dieu t'a dites, les promesses que Dieu a faites, s'accomplissent et se manifestent pleinement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as commencé l'année 2023 avec des bénédictions, avec des paroles. Nous sommes arrivés au 9e mois. Il y a le temps de la semence, il y a le temps du relâchement de la semence. En ce 9e mois de septembre, je déclare ce que Dieu a déclaré dans ta vie se manifeste pleinement dans ce mois de septembre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réalises ce qui était en toi. Tout ce qui était bloqué se libère pour ce mois de septembre. Dans le nom de Jésus-Christ, sur le plan spirituel, la faveur de Dieu est relâchée et manifestée dans ta vie. Alléluia. On ne considère pas qu'un enfant est né le jour où la mère est tombée enceinte. On considère la naissance après les 9 mois, lorsqu'il est relâché. C'est là que tu vas dire, voici le jour d'arrivée de mon enfant. Et je déclare dans ce mois de septembre, les rêves que tu avais deviennent réalité. Tu les vois et tu les saisis dans le nom de Jésus. Ce mois de septembre est un mois d'accomplissement des choses. Est un mois où tu vois libérer les choses que tu portais depuis un temps. Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan de ta maison, je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Ce mois est un mois de relâchement divin. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, tu es Dieu au-dessus de tout. À toi la louange, la gloire, l'exaltation. Ton année est bénie dans le nom de Jésus. Et les mois qui vont suivre vont s'écrier gloire. Lorsqu'une femme arrive à terme où elle doit accoucher, c'est une période, c'est vrai, où on attend la joie, mais c'est une période délicate. C'est pourquoi le mois de septembre est assez particulier, assez délicat. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus, tu n'avorteras pas dans le nom de Jésus. Tu vas libérer ce que tu as mis en toi dans le nom de Jésus. Tu réalises cela dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur les nations. Je déclare la bénédiction sur la Côte d'Ivoire, sur le Gabon, sur l'Afrique de l'Ouest, sur le monde. Je libère les paroles de grâce et de bénédiction. Que les enfants de Dieu prient, que les enfants de Dieu soient manifestés. Je libère sur ta vie les paroles de grâce et de faveur au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.